Juste pour vous prévenir que dans cet épisode, moi, Azizol et Chloé, Angel Gamer, nous avons changé de skin. Et ceci n'a rien à voir avec l'histoire, je veux tout simplement préciser. C'est juste que comme nous avons décidé tout simplement de changer les skins pour les faire devenir plus beaux, rien que pour votre plaisir, voilà voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième saison. Avant de commencer ce dixième épisode, je voulais faire un petit résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire ou qui seraient arrivés en cours de route. Donc voici pour vous un petit résumé vite fait, bien fait. Alors eh bien, il était une fois, il y a très longtemps, dans un monde lointain, très lointain... je vais pas vous la faire la Star Wars, je recommence, mille pardons. Alors, il y a très longtemps, un scientifique créa une machine qui pouvait téléporter dans les jeux vidéo. Bon, d'un autre côté, il est un petit peu idiot de créer ce genre de machine. Bref, il la créa. Mais par accident, un jour, je crois même que c'était un lundi à 14h26. On s'en fout. Et puis, il renversa une boisson sur sa machine. Bon, et ne me demandez pas si c'est du café ou du soda. Je n'en sais rien. Et donc, la machine, elle a pété un plomb, et elle a inspiré dans Minecraft. Et le scientifique, il se transforme en virus. Et bien sûr, vous saurez pourquoi, à la fin de la série seulement, pour garder le suspense. Et le seul moyen de le délivrer était de franchir 5 épreuves. Et puis, comme il était un virus, il ne pouvait donc pas marcher. Et ben alors, il téléporta des gens pour l'aider, dont Alpha le poulpe. Quel bruit fait la poule? Quel bruit fait la poule? Elle j'ai la patate. De nos jours la vie est dure, quand on est une petite patate. Angel la chèvre. Pika la bête. Azizol, le mec normal. Voyez-vous, c'est normal. France. Voyez-vous, il ne sait pas parler français. Whoopite. Ils passèrent la première épreuve, survivre ensemble. Puis ils allèrent dans le Nether, pour chercher des verrues, des bâtons de Blaze. Le virus était furieux qu'ils n'en fassent qu'à leur tête. En même temps qu'à l'idée d'écouter un virus. Et d'où ça parle un virus? Enfin bref, le virus il était pas content. Et bah du coup, il voulait tous les tuer. En les faisant battre l'Under Dragon. Ici on la surnomme la créature noire. Et puis bah il la tue. Et le virus y parvint à avoir un corps. Et il a plus besoin d'eux, il va donc essayer de les tuer. Parce qu'il est fou, tout simplement. Fais attention à tes propos, jeune homme. Ne sous-estime pas ma puissance. Nous vous souhaitons donc une bonne saison 2. Bisous mes cocos. Putain, ils sont où eux? Y'a quelqu'un? Quentin! Non, c'est toi! Putain, tu m'as fait peur! Putain, j'étais tranquillement en train de pêcher. Ça va? Je peux chercher, justement. Ah bon? T'as pas vu les autres, je suis tout seul, en fait. Ah bah, pareil pour moi. On va les chercher à deux, tu penses? Ouais. Ils se sont encore perdus à tous les coups.
Putain. Comme d'habitude. Bah, juste après la voiture, quoi. Attends, j'arrive pas à monter. Oh, c'est... Bon, tant pis. Vas-y. Oh putain, je déteste courir. Ah, pareil. Ah, faut qu'on les retrouve. Faut qu'on les retrouve, mec. C'est tellement grand. J'ai même pas eu son parti. Mais normal. Ah. Ah putain, faut qu'on les retrouve vraiment, c'est important. Ah oui. Ouais. Et ouais. Faut qu'on les retrouve vraiment. Au pire, Chloé, c'est pas très important. Attends. Ah. T'entends pas quelque chose? Eh, hey, je suis là. Oh. Non. T'as entendu? Oui, oui. Là-bas. Ah, Chloé. Oui, là. Ah. T'es dans un trou. Ah merde, qu'est-ce qu'elle fout là, elle. Tiens. Encore tombé, je parie. Ah ouais. Vas-y, mets de la terre. T'as vraiment l'habitude de tomber dans des trous. Pire. Bon, faut qu'on retrouve les autres. Voilà. Voilà, encore habitué. Bon, hé. Hey, la prochaine fois, je te jure que si je te perds, je te mets une laisse. Bon, allez. Mais c'est bon là, je me suis senti attiré par ce trou. N'empêche, faut qu'on trouve Cléo. Et Bigas. Oh. Tu as pas vu toi par hasard? Bah non. Moi j'étais coincé là-dedans, j'ai eu personne à part des champignons. Putain. C'est pas possible. Vous faites chier, mais vous faites chier. On peut pas pêcher tranquille ici, putain. Bon allez, suivez-moi, on va essayer de la retrouver quand même. Ouais. La 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 la. Hey. La lumière. La 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 la. Ah. Oh, coucou. Mais t'es sérieux toi? Mais tu fais quoi ici? Bah je suis pas dans une grotte. Mais putain, mais t'es sérieux, ça fait 2 heures qu'on te recherche, voire 2 jours. J'en sais rien, j'ai pas compté. Ah moi je suis en train de miner hein. Mais, il se casse en plus. Bon hé, Pika. Oui. Putain, faut qu'on remonte à la surface, t'as toujours pas compris toi. Ah oui, pardon. On a peut-être battu chose. Ah oui, la créature noire. Faut pas qu'on oublie comme quoi on a encore quelque chose à battre. Ah oui, elle est par là, c'est par là la sortie. Allons-y alors. Vas-y. Oui. Pika est parti là pour l'instant, mais on va le rejoindre. Attends, reste. Écoute, on l'a peut-être battu Under Dragon, mais tu sais qui ne s'est pas encore manifesté. Mais il pourrait revenir. Ça fait déjà un mois qu'on n'a pas entendu parler de lui. Ouais, je sais. Mais de temps en temps, je sais pas pourquoi, mais je me sens bizarre, Asie. C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai la tête qui tourne. Ça me tourne, quoi. Je sais pas. C'est... Je sais pas ce qui arrive, Asie. T'inquiète. Mais faut qu'on se méfie, d'accord? D'accord. Allez, retrouvons Cléo. C'est ma dernière personne à retrouver. Ok, allons-y. Allez, go. T'as entendu cette explosion? Ah ouais, elle était forte en plus. Oh putain, ça devait être tout près. Ah. Ah, je vois quelqu'un là-bas. Il y a un trou. Cléo? Eh. Ah, Cléo! Eh, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse! Tu t'amuses? Mais c'est de la TNT! Mais non, c'est des pétards. Mais elle est folle. Elle est malade. Ouais, en vrai. Ah attention! T'as vu? C'est une TNT! Ah oui! Ah ouais, ça en fait un trou. Un gros pétard. Un bison. Bon. Bref. Cléo? Oui? On retourne à la maison, ok? Ça fait. La nuit tombe et. Tu sais quoi, ne va pas tarder à arriver. En plus, je sais pas pourquoi. Ah oui. J'ai une mauvaise impression. La maison est par là-bas, Cléo. On te rejoint. Je dois parler un petit peu. C'est exact. Ok. À tout à l'heure. Vas-y. Oui. Repars à la maison. Je vous rejoins dans pas longtemps. Et tu vas faire quoi? T'inquiète. Je vais juste aller me reposer un petit peu. J'ai la tête qui tourne. Ne tarde pas trop alors. T'inquiète pas. Et je me méfierai de... Si jamais tu sais qui... Oui. Voilà. Prépare les défenses de la maison. J'arrive. D'accord. Attends-moi, Cléo. Oh, j'ai des choses à faire dans la cave. Ah. Moi, je vais aller manger. Moi, j'ai un peu découvert un tour de la maison. Ah oh, bah... Au secours! Au secours, à l'aide! À l'aide! Ah, il y a Quentin, suivez-moi.
Antoine, tu fais quoi? Et j'ai pas fini d'aller faire mes trucs dans la cave. C'est où la sortie? Il est là-bas. Antoine, t'es où? Mais il peut pas patienter 2 secondes. Et il crie, lui arrive un truc. Et moi, j'ai plus de... Je sais pas, moi. Quentin, on arrive. Il est où? Alex. Qu'est-ce qu'il y a? Ça recommence. Ça me tourne. Je me sens mal. Ça va pas? Ça prend du pain. C'est pas le pain qui va résoudre les problèmes. Ça vient, prends du blé. Alex. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois te voir, je dois te parler. Les filles, rentrez à la maison. Au plus vite possible, barricadez-vous. Vas-y, il se passe quoi? Vite! Lâche pas! Je dis pas. C'est quoi, Lucas? Alex, viens, Alex. Du pain. Oh. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois des ombres, vas-y. Non, non, arrête, arrête, tu fais peur. Il faut que je fuis. Mais pourquoi, mec? Tu vois quoi exactement? Des ombres. Des ombres. Quelque chose, une ombre avec des yeux rouges. Vas-y, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Des yeux rouges, une ombre. Mais. Quelle ombre? Je sais pas, vas-y, je sais pas. J'entends tout. Oh non. Vas-y. Me dis pas que c'est. C'est quoi? Me dis pas que c'est ce que tu as eu. C'est de quoi? Ce virus que tu as eu. Oh merde. C'est impossible. Vas-y, on a tué ce dragon. On l'a tué. Le dragon, oui. Mais pas le virus. J'arrive même plus à manger. Je sais plus quoi faire, vas-y. Je sais plus quoi faire. Faut qu'on trouve ce qui se passe. Ne dis rien aux autres, s'il te plaît, ne dis rien aux autres. Je ne dirai rien. Ne les préviens pas. Non. Faut qu'on trouve des ressources, faut se protéger. On va se protéger. Je sais pas ce qui se passe. Allez, retourne dans la maison. Salut à tous et à toutes, c'est un comment allez-vous? Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle saison, la saison 2 dont on n'a pas trouvé encore le nom. Vous inquiétez pas, on va bientôt le trouver. On se retrouve avec Picasso. Bonjour. Azizol qui est le caméraman. Eh bien bonjour. Angel Gamers. Yo. Et RG Center. Salut. Et les filles vont fermer leur gueule comme les dernières saisons, voilà. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. C'est dit, c'est fait, c'est bon. Attends, rajoute un truc, le Cléo. Non, c'est le micro de Cléo bug toujours. D'accord. Voilà, juste pour dire. Donc, ah, d'accord, ok. D'un côté, micro Carrefour, hein, faut pas chercher. Mais ta gueule, toi! Bon, allez, du coup, on va commencer cette saison 2, du coup, pour aller chercher le matériel nécessaire à la... pour qui vole? Voilà. Allez, c'est parti. Donne-moi ça tout de suite. Ah merde. Ouais. Boum. Ah la bim. J'ai fait tirer dessus par un Alpha Killer. Mais arrêtez, je sais plus où je suis là. C'est pas lequel, c'est pas n'importe lequel, c'est LE Alpha Killer. Non mais arrête, le Alpha qui... C'est quoi tout ça là, des diamants et des amandes et tout? Je vous emmerde, ça va.
la salope, elle s'équive. Non, c'est pas vrai, je les ai trouvés. J'étais avec elle. Non, elle a pu que les trouver, on peut pas se give, je te rappelle. Salut Vicadet. Salut le mec qui parle trop bien la France. Tu vois ce cheval là juste derrière toi? Ah oui, je le vois, il est trop chou. Eh bien, je vais le manger. Quoi? Tu vas pas oser quand même. Je vais le violer même. Et on va en faire des lasagnes. Fin du spinus. Mais tu es méchant avec les poneys, sérieux. Non, moi je respecte seulement les poulpes et les éponges. Pourquoi les poulpes? Parce que le Japon. Hein? Pourquoi tu parles du Japon? Parce que la Chine, bien évidemment. Mais je comprends plus rien à la discussion, sérieux. Depuis quand t'es blonde? Non mais je suis pas blonde, je suis châtine. Bah pourquoi tu comprends pas alors? Bah parce que tu sais pas expliquer. Je suis roux. Pourquoi tu me dis ça d'un coup? Parce que l'Australie. L'Australie? Ah ouais, quoi alors? Quoi? Kangourou! Ta gueule! Poulpe! Mais stop, putain! Blonde! Mais quoi? Ta gueule! Toi-même! J'ai une bouche, moi, madame! Ta bouche, alors? C'est bien, femme! Et ta gueule! Je suis qu'un thug, nanana! Quoi? T'as vu le jeu de mots, non? Non, mais n'importe quoi, toi! Mais tais-toi! Jamais! Si, tu vas fermer ta grande bouche! Je n'obéis pas aux moches, surtout à toi. Putain, mais tu t'es pas regardé, toi, sérieux. Je sais. Bon, je m'ennuie, bon, je me casse, salut. Ouais, c'est ça, casse-toi.